Oui tout le monde, c'est Squeezie. Non je déconne, c'est encore une blague. Aujourd'hui on est sur de retour sur les toits pour une nouvelle recherche. Je continue de chercher mes fameux toits émeraudes et j'en ai trouvé un. Donc il est par là-bas, il y en a un deuxième là-bas aussi. Je pense qu'on va faire un petit peu le tour. Je dis on, pourquoi? Parce que je suis avec le poteau vintage aujourd'hui. En tout cas on va aller se faire une petite balade, donc on va commencer. On passe par où en fait? Je crois que le mieux c'est de faire ça, tu vois. Ah ouais, c'est un grand tour. Bon bah. Par contre il y a des sauts sympas. Hein. Regardez, petit saut bien sympathique là. Un bon petit tour, le toit il est juste là-bas là, donc on va essayer d'y accéder. On continue. Un vilain sauvage en forêt. Pokéball, go! Bon, et bien très content de cette petite excursion. Comme vous pouvez le voir, le toit en cuivre, il est vraiment à côté maintenant. Là, qu'on a essayé de passer par ici, mais c'était un peu compliqué. Donc, on a fait tout le tour pour revenir jusqu'ici. Donc là, on a un passage qui se fait là et qui va nous donner un accès direct. Donc, on le voit, il n'y a plus qu'à aller le toucher. Allez, on continue. Oui, désolé. Ok. Ok. Ah. Oh bah j'ai faim là. De quoi? Ouais. J'ai changé d'être un athlète, je te rappelle. Hein. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Cinquième toit émeraude pour cette super série là. Ouh, ça fait déjà 5 toits émeraude qu'on trouve sur Paris. C'est de l'aventure parce que chercher quelque chose de spécifique dans Paris, c'est marrant parce que ces toits là, c'est un peu comme je disais, comme si on avait jeté des émeraudes en fait sur le toit de Paris et que quand on se balade, on voit un désert de zinc gris. Et d'un coup, on a ce vert de gris qui arrive, qui est flashant. Et ouais, c'est un plaisir. J'ai l'impression de trouver des petites émeraudes comme dans les jeux vidéo et faire une collection. Donc, pour vous donner un peu plus d'infos, là, j'ai recensé 107 toits au total sur Paris. Ce qui, au final, est quand même énorme. C'est 30% des toits parisiens. Et on va s'amuser un peu dessus. Et je crois que Vin est en train de négocier pour pas changer. Donc, bon, on va laisser faire son YouTuber. Et nous, on va continuer à essayer de trouver quelques mouvements sympas. Allez, c'est parti. Bon. Alors, on va essayer ça. Allez.